Tu savais quoi, j'avais même pas réalisé, mais en fait, c'est l'épisode 23 de Isaac Afterbirth, bitches. Et donc, bienvenue, salut à tous, comment ça va? Moi ça va. Alors, je sais plus ce que j'avais dit qu'on ferait dans cet épisode, mais je crois que j'avais dit qu'on ferait un run normal, genre random peut-être. Donc, alors attendez, deux secondes, bruit de micro possible, je suis désolé. Bon, alors, random normal, allez, let's go. Pas qui peur, pas qui peur, pas qui peur. Judas, bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas Judas, après tout? C'est un super perso. Alors voilà, l'acide de ce jour. L'acide de l'épisode 23. J'espère au moins qu'elle va être bonne. Tiens d'ailleurs, si on peut se faire méga Satan au passage. Moi, je suis pas contre. N'est-ce pas le jeu, hein? Ouais, d'ailleurs, là, on va utiliser le Book of Belial parce que là, il faut. C'est le seul étage où vraiment contre le boss c'est pas grave si on l'utilise pas, parce que de toute façon il n'y aura jamais de deal à cet étage. À part avec le Joker, donc bon hein. Parce que là ça va. Puis merde, cette salle elle a été chiante, alors voilà hein. Je m'autorise un petit Belial. Alors on arrive au shop, mouais. On va espérer un item cheaté dans l'item room peut-être. Ouh. On va le laisser là, lui. Il y a un rocher X. Bon, finalement, on va le prendre. Parce qu'en fait, j'ai peur de faire une connerie. Et je le regretterai, parce que c'est un super début, là. Ah ouais, putain. C'est bon, ça. On va aller à droite. Eh ben, perdu, c'était en bas. Bon, si ça me donne une clé, ça va. Sinon, ça va pas. Ah, merde. Bon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas joué, aussi, j'avoue. Ça fait quelques jours. Donc, je suis peut-être un petit peu rouillé. Mais bon, ça va, quoi. Je veux dire, c'est Isaac, ça s'oublie pas trop non plus, quoi. Et ça, c'est le boss, d'accord. Donc, on a complètement loupé l'item room. Fantastique. Bon, d'un autre côté, c'est pas très grave. Ah, des bombes, c'est pas mal, ça. Bah, d'ailleurs, en fait, la secret room doit être là. Mais oui. Elle contient une troll bombe. Et elle contient aussi strength. Pas mal. On va mettre une bombe là, juste. Bah, écoute, ça a fait deux pièces. Et dans cette salle, il y a donc l'item room. Oh, il y a une clé. Si j'ai des bombes, je veux bien avoir cette clé là, parce qu'elle m'intéresse grave. Bon, en attendant, non, hein, mais... Je veux dire, si j'ai pas de bombes, bah, de toute façon, je peux pas l'atteindre. On va d'abord aller voir l'item. Ah, putain, mais pourquoi faut toujours que ça tombe sur celui-là? Bon, on va le prendre cette fois. Alors, j'ai eu un HP up. J'ai eu un gros tears down, par contre. Il y a un cœur gris dans cette salle. Oh, la vache. Putain, ça, c'est pute. Rétrovision, bah, en plus. Parfait, quoi. Ouais. Alors, ça, j'ai vu qu'elles ont été améliorées. Bah, en fait, d'ailleurs... je sais pas trop si ça va valoir le coup, cette histoire. Je suis pas sûr. Quoique, peut-être avec ça... Ah. Ouais, parce qu'il y a eu un petit changement dans les Sacrifice Rooms. En fait, c'est devenu mieux, effectivement. Au fur et à mesure que tu te suicides dessus, enfin, que tu te prends des dégâts dessus, au bout d'un moment, ça va donner des trucs angéliques et tout. Donc ça peut être bien si tu veux faire méga Satan comme moi, là, maintenant. Mais le truc, c'est que j'ai pas trop envie de perdre des cœurs gris bêtement comme ça. Donc je sais pas trop quoi en penser encore. Je suis pas sûr qu'on va faire méga Satan maintenant, en fait, hein. Parce que pour l'instant, le run n'est pas terrible. Et je vous avoue qu'en fait, j'ai pris expérimental traitement. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Je l'ai pris uniquement pour la transformation, hein. Je l'ai pas pris pour l'item lui-même. Mais la transformation spun, elle est tellement bien. Parce que c'est un gros damage up, en fait. Tout comme ce truc. Vous savez ce qu'on va faire? On va y aller, en fait. Vu qu'il y a quelques cœurs dans l'étage... On va dire que c'est pas trop grave si je perds un cœur gris ou deux. Et on va aller à la Sacrifice Room. On va sacrifier quelques cœurs. Ah, par contre, ouais, ça fait mal. Ça picote. Allez, que quelque chose se passe, sinon je vais crever. Et j'aimerais pas crever pour rien, s'il vous plaît. Il y a pas des cœurs, ouais, hein. Il y a un cœur là. Mais oui. Remarque, heureusement que j'ai eu expérimental traitement finalement, parce que sinon j'aurais jamais même pas pu tenter un truc pareil là, donc Alors j'ai une plus strength, mais je vais la garder précieusement.
J'aimerais bien que quelque chose se passe. Parce que là, ça fait un petit moment que je me suicide sur la machine. Et ça serait cool si on pouvait... Ah merde. T'en remarques, ça donne un cœur aussi. C'est pour ça que je l'ai laissé là, d'ailleurs. Hein. On va le tenter. Vous savez quoi, la vache? On va le tenter, on va le tenter. Et vous savez quoi, même? On va péter ces flammes à la con, parce qu'elles peuvent contenir des cœurs. Elles peuvent aussi me les enlever. Ah, ça a failli arriver. Putain de flammes à la con. Ok, bon. Tant pis, hein. Allez, donne-moi quelque chose, putain de truc de sacrifice de merde. C'est la dernière chance. Ah, you feel blessed. Donc là, je crois que à partir de maintenant, si je marche sur la sur les pics encore une fois, il va se passer des bons trucs pour moi. Seulement, je peux pas vraiment, là. J'ai bien une pilule strength, mais je sais plus si ça rajoute un cœur ou un cœur vide. Et je crois que ça le rajoute vide, donc... De toute façon, je comptais peut-être la garder. Je sais pas, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étage suivant et on va espérer de ne pas crever, parce que voilà, hein, on en est là. En tout cas, si j'ai une sacrifice room... Oh, ça sera intéressant. Ok, l'inverse m'aurait plu, mais c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il y a une machine, il y a potentiellement des cœurs à avoir ou quelque chose. Sachant que là, il faudrait ne pas se faire toucher, c'est important. Parce que quand même... On est Judas, quoi, merde. Bon, remarque, c'est comme si j'avais pas eu de HP up à la fin du boss, finalement, donc... Mais bon, c'est un petit peu risqué quand même, je conçois, mais bon... Alors là, faut faire gaffe quand même à celui qui est en feu, là, parce que c'est un connard. Je le connais personnellement. Il est chiant. Et crève, voilà. On va d'abord aller voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a Robo Baby, mais on peut reroll. Et on va reroll. Parce que c'est trop nul. Forget me now. Non. Je préfère quand même mon Book of Belial. Oh putain, mais ça c'est de la daube. Normal, on va peut-être y mettre une pièce. Non, d'accord. Parce que ça c'est The Wiz et c'est de la merde. Luck up, ça c'est cool. Allez, une petite pièce. J'ai eu un luck up, s'il vous plaît. Donnez-moi des pièces. Plus de pièces. Encore des pièces. Tout le temps des pièces. Même pas une pièce, ça. Fait chier, bordel de merde. Ok, là y'a rien. Enfin, y aura peut-être des pièces, des clés, des bombes, des trucs et des machins. Des cœurs, hein, ça serait bien aussi. Allez. Crève. Bon, une clé, c'est bien. Une clé, de toute façon, ça peut pas être mauvais. Alors, ne pas mourir, c'est très important. Sinon, l'épisode, il s'arrête là, quoi. Ça serait un peu dommage, parce que je sens qu'il y a du potentiel. Quand même. J'ai pas de bombe. Ça aussi, c'est un problème. Ouais. Pas se prendre un truc de merde, surtout. Crève. Ah, un demi-cœur, déjà, ça fait du bien, putain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter la Secret Room. Elle est là. Elle contient des bons. Elle contient aussi pas mal de grids, là, au milieu, donc... Je sens qu'on va se faire plaisir. Oh, yeah! C'est bon, ça! Hey, hey. Bon, du coup, on va aller au shop, en fait. Avec 13 pièces, je suis confiant. Il y a un cœur gris, c'est pas mal. Il y a un cœur gris. On va le prendre, en fait. Hein. Excusez-moi. Ouais. Non, je pense qu'on est bon. On va reroll l'item. Parce que The Wiz, c'est beaucoup trop moisi pour que je le prenne. Au pire, je peux sacrifier quelques cœurs pour avoir des pièces. Oh, merde. Ça, c'est mon PC. Voilà. Oh, piercing shot, je prends. Franchement, Cupid's Arrow, c'est génial comme item. Attendez, en fait, je vais boire un coup. Ah. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est mieux, putain. Wow. On va aller là, juste. Ok, on va pas aller là, juste. Bon, ben, on va aller se faire le boss, hein. Je sais, c'est comme ça. Le boss, c'est Monstro, donc ça devrait pas poser de problème. Il est dans une salle un peu plus petite, c'est original, mais ça suffira pas. Hein.
Désolé Monstro, mais t'es une merde, quoi. Tu resteras une merde, c'est tout. Tu es le boss. T'es le boss du tuto, quoi. C'est bon. Ça va, je peux battre Monstro dans n'importe quelle position, quand même. Sans me faire toucher, je veux dire, évidemment. Hein. Je parle d'une victoire parfaite. Aïe hop. Donc t'es mort. Et je gagne un deal avec PJ. Waouh. Alors PJ, on le prendra après, du coup. La vache. Waouh. Comment je peux dire non à ça? Waouh. Ah ouais, non, là, c'est bon, putain. Ça rase. Donc, alors, prenons-les dans l'ordre, évidemment. Brimstone. Donc, hein. Alors, je tire plutôt doucement, par contre. C'est pas un problème, puisqu'on a Abaddon. Enfin, ça change rien, mais... Bon. Bon, bah, je crois que Mega Satan va définitivement aller se faire mettre, hein. La vache. L'item, je l'ai pris. Ouais, du coup, il sert plus à rien, l'item. C'est dommage, mais... puis, en fait, je vais acheter la clé. Voilà. Bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est... descendre. Putain, Brimstone et Abaddon. Épisode 23. Parfait, le jeu, parfait. On va aller dans cette salle. C'était une erreur. Merde, c'est vrai qu'il me faudrait du tears up, là, quand même, parce que c'est un petit peu ridicule. Merci, Experimental Treatment, d'avoir merdé à ce point-là, mon run. Non. On le fera plus tard, peut-être, si j'ai des clés, mais là, pour l'instant, c'est une nuque. Ah ouais, non, mais épisode 23, il fallait qu'il y ait Brimstone, quoi. Je suis désolé, mais c'était un minimum, quoi. Voilà. Remarque, j'ai eu des clés, donc en fait, ouais, on va les ouvrir, ces coffres. Au moins ceux que je peux. Ça, non, par contre. Ça, c'est définitivement non. Déjà, j'ai toujours pas réussi le challenge Brains, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est le seul challenge qui me reste. Il est tellement chiant que j'ai même pas envie, quoi. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de débloquer des trucs, j'ai réussi, je vous montrerai après le run. J'ai réussi des trucs avec Keeper, donc je vous montrerai. En fait, j'ai réussi, j'ai battu le chest avec Keeper. Donc, quand même, hein. Ok. Alors ça, c'est rétrovision, donc non. Ça, c'est Telepills, d'accord. Ok. Bon, ça pose pas trop de problèmes. Je veux dire, ça va. Par contre, pitié, tu tiens up, quoi. J'aimerais bien retrouver ma carte, quand même. Donc on va aller par là. Puis même, le Light Emerald doit être pas loin. Là, il y a le shop, mais avec que 6 pièces, mais... Ça m'inspire pas trop. Ok. Ah bah, Light Emerald, parfait. C'est moisi. Je vais même pas le prendre, parce que c'est trop nul. Je veux dire... Robo Baby 2.0, c'est de la merde atomique. Mr. Boom aussi. Enfin, ça peut toujours me faire une bombe, remarque, hein. Ah ouais, pourquoi pas. Alors, je reprends ma carte. Ouais, une bombe, ça m'intéresse, en fait. Ne serait-ce que pour aller dans la Secret Room qui doit sûrement être là. Ah, elle est pas là. Bon, bah écoutez. Tant pis. C'est pas grave. Tu es là, alors. Ok, alors j'ai 10 pièces, mais je crois qu'on va les garder. On va aller par là, hein. On va continuer un autre chemin des ténèbres. Parce que quand même, là, c'est des ténèbres. Ok, et on trouve le boss. Putain, merde. Je me suis fait toucher. Ça va pas, ça. Je suis en train de baisser ma garde, là. Ça va pas du tout. Il faut pas. Et le boss, c'est The Stain. On va voir si le Book of Belial m'offre le deal. Oula, vache. Et dire qu'avant, ça le faisait tout le temps, hein. C'était tellement bien, hein. Putain, merde. Là, par contre, j'ai fait de la merde contre... Contre du con, là. Allez, crève. En même temps, il est chiant, ce boss, hein. Bon, damage up, ok. On va faire encore plus mal à partir de maintenant. Ça va être n'importe quoi. Et puis, on va descendre. Voilà, voilà. Alors. Catacombe. Ah oui, d'ailleurs, en fait, vous avez vu, j'ai battu Hush avec Judas aussi. Et j'ai aussi battu Hush avec Lazare. Je crois que j'ai battu Hush avec tout le monde, sauf Keeper, du coup, mais... avec Keeper, ça va être une autre histoire, hein. Parce que, putain, Keeper, qu'est-ce qu'il est chaud à jouer, c'est hallucinant, quoi. Alors, je sais que c'est voulu, hein, mais...
Mais putain, quoi. Alors là, on a un coffre qui contient des bombes. Bon, ça va, je trouve que c'était honnête comme, comme coffre, ça va. Je n'ai pas du tout mauvaise, c'est plutôt pas mal. Ah, putain. Par contre, je tire trop lentement, il faut que je fasse quelque chose, là. Non. Voilà, péter cette machine. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais, encore pire. Putain, merde. Oh putain, oui, crevez tous. Nickel. Et on tombe sur l'item room. C'est parfait. Allez, un gros tears up, s'il te plaît, quoi. Ou alors un truc marrant avec Brimstone. Genre Tiny Planet. Ça serait cool, ça. Bah en même temps, c'est cool, hein. Donc Little Brimstone avec Brimstone. Moi j'aime, hein, c'est encore une fois l'épisode 23. Ça se sent jusqu'à la moelle. Allez hop, le boss. The Frail. En fait, c'est Bim version zombie, donc. Qui devrait pas être compliqué du tout, vu que j'ai double Brimstone dans ta gueule. Oh, je l'ai presque tué, putain. Voilà. Ouh, c'est bon ça, Roid Rage. C'est bon parce que c'est une deuxième seringue, hein, vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser Strength. Yeah! Exactement ce que je voulais que ça fasse. Parfait! Du coup, j'ai eu le Contract from Below, gratos. Mais en fait, du coup, on va continuer un peu l'étage, même, en fait. Hein. On va aller au shop, hein. On va péter ces merdes. Ouh, bah, vous voyez que ça valait le coup. Et le shop, il est là. Putain, c'est parfait! Là, le run devient carrément bon, là. Ah, merde. Grid. Bon, je suppose que du coup, le premier shop sera tellement... Le prochain shop, c'est-à-dire, sera beaucoup mieux, la vache, Team Sale, putain que c'est bon, tout ça, dis donc. Ok, bon, ben, on va descendre, alors. Putain, là, mon perso est hyper rapide, hein. Par contre, il tire lentement, ça, c'est chiant. Limite, j'aurais préféré l'inverse, vous voyez. Allez, Nécro 1, on y va. On commence par la grande salle. C'est un réflexe. Oh, merde. C'est-à-dire que je commence par les grandes salles, comme ça c'est fait, hein. Tout simplement. C'est la technique du comme ça c'est fait. Ok. Mais le mien de Brimstone, il est mieux. Y a pas mal de bons trucs là-dedans, dis donc. On verra tout à l'heure. Parce que je suppose qu'on va devoir repasser par là. Ah, remarque, peut-être pas, hein. Oh la vache. Ah putain, y'a un moucheron qui m'est passé devant la gueule. Fuck. Oh merde. Bon, attendez, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout, du tout. Enfin, remarque, ça va quand même, hein, mais... D'un point de vue technique, c'est quand même pas terrible. Bon, là, y'a le boss, hein, je l'ai vu, hein. Ne vous inquiétez pas. J'aurais pu le faire, mais bon. Je verrai si j'ai un moyen de voler, parce que ce cœur noir m'intéresse quand même. Alors, on va aller voir s'il n'y a pas... Oh, super slot. Alors, c'est bien, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas grid au shop. Deux fois de suite, ça ferait chier, quand même. The Fool, c'est pas mal. Enfin, c'est utile, disons. Ça peut l'être, en tout cas. Waouh, ça, c'est un massacre. Voilà. Ouh, pas mal, ça. Oh, la vache. Holy light. Holy shot. Et non pas holy shit. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu fait exprès, mais bon. En fait, Holy Light, je pense qu'on va le voir directement dans cette salle. Si je rate pas mon tir, la vache. Et si ça marche avec Brimstone aussi. Putain, mais merde. Bon, alors attendez, il y a une alerte à faire, là. Je fais trop de la merde. S'il pouvait y avoir ne serait-ce que rien, d'accord, ok, super. Ah, je sais pas si ça marche avec Brimstone, en fait. De toute façon, vous savez ce que ça fait, Holy Light, je l'ai déjà eu dans un run. Au moins un, quoi. Ça, c'est chiant. Ah, par contre, il y a un cœur gris. Ah, merde. Ça compensera pour celui-là, voilà. Ah, par contre, il y avait tout plein de pièces. Hallucinant. Allez, la main de Mum. Enfin, les mains de Mum, parce qu'il y en a toujours trois. Ah, merde. Allez, retombe. On attend que toi. Voilà. Et puis ceux-là, bah lol, hein. Je veux dire, j'ai Brimstone, bitches. J'aurais dû utiliser Book of Medial, maintenant que j'y pense. C'est pas grave.
On va prendre ça même. Lazy Worm, de toute façon avec Brimstone ça fera rien. Hein. Lazy Worm c'est un truc, c'est un énorme shot speed down en fait. C'est-à-dire que si t'avais des tirs, les tirs iraient super lentement quoi. Alors je vois que ça peut être utile hein, mais avec Brimstone du coup non. On va aller par là. Je sais même pas pourquoi, mais on y va quand même. Oui, après tout, c'est vrai, qu'est-ce que je fous là? J'ai trouvé le shop? Ah non, j'ai pas trouvé le shop, c'est ça qu'on cherche, d'accord. J'ai pas oublié les éléments principaux quand même. Ok, ça c'est un one shot. Ouh! Il y a des trucs sympas, dis donc. Il y a la boussole, il y a le habit. Plus tant qu'à faire, il y a la clé, la bombe, la pilule. Ah merde. C'est la pilule Curse of the Maze. On va donner quelques pièces, bah voilà, c'est fait. J'ai trouvé la Secret Room ? Non, j'ai qu'une seule bombe. Mais je pense qu'elle est là quand même. Yes. On tient des bombes. Du coup, j'ai gagné une bombe. Ouais. Ah putain, vous avez vu la Curse of the Maze en action là ? Il y avait une flamme dans la salle tout à l'heure. Elle a changé de place. Elle est venue là. C'est horrible comme truc. Ce cœur noir, honnêtement, je vais le tenter parce que... Je sais pas si c'est une super idée. C'était pas une super idée. Bon, tant pis, de toute façon, j'ai rien perdu, du coup. Et il y a un cœur gris dans cette salle, c'est vrai. Il y a un cœur gris, là. On peut peut-être l'avoir avec deux bombes. Si j'en place une là... Oh, on peut carrément l'avoir. Puis j'avoue que The World, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, ben, le boss... Oh putain, c'est The Bloat. Et c'est le champion vert, en plus. Ah oh, putain, merde. Putain, d'œil qui me suit, là. Putain, hein. Crève. Évidemment que c'est le champion, hein. Putain. En plus, c'est The Bloat, je veux dire. Il est chiant, de base, quoi. Alors, j'ai quand même gagné un deal. Ainsi qu'un speed-up, encore, putain. Alors, je m'y attendais à Krampus, je sais pas pourquoi. Voilà, crève, ça c'est fait. J'ai gagné ta tête, c'est bien, mais elle ne me servira à rien. C'est fantastique. Bon. Bon bah, descendons, hein. Let's go. Et on est à Depths 2. À Dank Depths 2, même. On va faire The World. Un bon petit coup. Ah, c'est vrai que j'ai la boussole aussi. Du coup, on va y aller, là, ouais. Clairement. Ouais. Merci pour les pièces, je suppose. J'ai pas envie d'y jouer, lui, parce que lui, ça prend du temps, en fait. C'est chiant. Ouais, alors, par contre, voilà. Dégage, dégage, dégage. Crève. Ha. Allez. Voilà. Alors, c'est ça, il y a un double caca. Il était noir le caca? Pas que je sois raciste envers les cacas noirs, hein, mais. Alors la secret room elle est là. Je crois que je suis dessus. Ouais. Ah merde, super great, fuck! Bon, remarque, tant mieux d'un côté. Ça veut dire que t'es pas au shop. Et que j'aurai tout plein de pièces. Que je peux même aller à la curse room qui est super bien. Ah, mais y a ça ici! Est-ce que ça marche toujours? Alors j'ai eu une pièce, c'est que ça doit marcher alors. Ok, on verra si j'ai plus de cœur parce que c'est un petit peu dangereux quand même. Je veux dire, je suis un petit peu dans la merde. On va aller au shop. Oh yeah! Alors j'aimerais quand même éteindre les flammes avant de faire quoi que ce soit. Ouh, bon ça. Mais dis donc, c'est très bien. Ouh, il y a Rostock. Alors, vous savez ce qu'on va faire d'abord? On va le tuer, lui. Ah, dommage. Bon, Rostock, alors. Alors, j'ai gagné une clé, une pilule que je connais pas. On verra ça donc après, hein. Ou maintenant. Ok, maintenant. Alors, je pourrais acheter plein de clés ou plein de batteries. Je vais acheter ça. Juste pour avoir l'item d'après, c'est la map, ça peut être pas mal. Blue Candle, pas terrible. Alors, d'ailleurs, ça, ouais, pour
Pour ceux qui savent pas, c'est le portal gun en fait, cet item. C'est-à-dire, tu peux mettre un portail là, puis un autre là, et quand tu rentres dans un, bah tu ressors par l'autre. Tu peux mettre ça dans plusieurs salles, évidemment, hein, mais... Dommage qu'il n'y ait pas un cœur cryo-shop, du coup, parce que j'ai restock, ma merde. Alors, The Candle et Mumsky, donc, pour finir. Et puis, ça, c'est Nightlight, je crois. Mais, rien à foutre. Ok. Bon, du coup, j'ai la map et la boussole, c'est quand même pas mal. Et on va aller voir Light Emerald. Sachant que pour le boss rush, c'est mort, mais c'était pas du tout l'idée, donc c'est pas grave. Alors, par contre, cette salle va prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est une rune de résistance qui peut être vraiment cool. Est-ce que vous êtes... Voilà. Où est-ce que vous êtes, les ennemis, bordel? Toi, meurs. Oh la vache! Ouh, je crois qu'on va retourner au shop, hein. Ça, ça m'intéresse pas. Parce que certes, c'est un HP up, et ça permet de stomp, mais c'est aussi un méga speed down. Et ça, je veux pas. À la place, on va acheter Nightlight. Ce qui permet d'éclairer, d'ailleurs. La jarre. C'est un peu de la merde, quand même. Si j'ai plus de pièces, je viendrai acheter un autre truc. Parce que ça veut dire que je pourrais acheter un autre truc après la jarre. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est tout ce qui m'intéresse. J'ai pas assez de pièces. Il faut 14. Ouais. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Nightlight, ça ralentit les ennemis qui sont dans la lumière. Ah, si j'avais Dark Bum, hein. Enfin, c'est toujours possible, hein. Je peux toujours avoir un deal qui contient Dark Bum et ça serait fantabuleux. Voilà, vous voyez, l'ennemi est ralenti. Ouah, la vache. Apparemment, c'est un petit peu chaud à utiliser vu qu'il faut être en face de l'ennemi. Mais bon, hein, ça passe. Remarque, non, maintenant que j'y pense, si j'ai Dark Bum, ça sert à rien parce que je peux pas sortir de la salle. Bon, bah, on va se faire Bum, écoute, hein. Tant pis pour la jarre. Sauf s'il y a un truc dans la salle du deal qui permet de me TP, mais... m'étonnerait quand même. Par contre, s'il y avait un deal qui donne un tears up, ça, ça serait cool, par contre. Parce que là, ça fait un peu pitié, la vitesse de tir, quand même. Enfin, on s'y fait, mais c'est chiant, quoi. Et on va carrément aller se friter avec ce limbe dans le Dark Room avec le négatif, et on se casse. Parce que j'ai remarqué que sur sa fiche de perso, ça dit que je l'ai pas battu, alors que, évidemment, je l'ai battu, hein, mais... J'avais tout débloqué dans Rebirth, donc, bon. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit où est le boss. Haha. C'est cool, ça. On sait où faut aller à partir de maintenant. C'est très bon, ça, dis donc. Et j'ai déjà battu Hush avec Judas, donc on va pas se le refaire, hein. Pas la peine. Il en reste un. Aurais-tu, s'il te plaît, l'amabilité de mourir? Voilà. C'est pas top, ça. Bon, on va espérer avoir un deal pour s'en débarrasser, mais... Mais ouais, c'est pas terrible du tout, là. Ouah, c'est vrai que dans la Dark Room, ça risque d'être pas mal, ça. Ah merde, j'ai pris un cœur. Oh, quel con. Bon, bah, tant pis, écoutez, on n'aura pas les effets du négatif. Sauf si j'arrive à m'en débarrasser, j'ai quand même deux étages. Oh oui, donc c'est vrai qu'il y aura un deal. Il y aura au moins un deal, quoi. Merde. Ah, merde. Bon, bah, voilà. C'était juste pour faire la salle plus vite, hein. Vous inquiétez pas, je maîtrise totalement la situation. De souvenir, je crois pas qu'il y ait des bonnes pilules là-dedans. Je suis pas sûr d'avoir eu celle-là, en fait. D'un côté, ça peut aussi être la pilule Curse of the Maze. C'est Range Up. Bon. Ça sert à rien, donc. Ok. On va aller buter ceux-là. De toute façon, on va buter tout le monde, hein, à partir de maintenant. Hein. Spoiler. Hein, mais... Ça, c'est un rocher X. Du coup, c'est cool. Et ça, c'est un coffre rouge. Du coup, il faut le faire. Oh. Oh, oh, oh. Wow. Mort of the Void. Oh, je suis Léviathan. Ah, c'est bon, ça. Bon. Alors, Mort of the Void, donc, hein, je crois que vous connaissez. C'est aussi un damage up, d'ailleurs. Donc c'est un item génial. Vous voyez maintenant quand j'ai une croix rouge sur le front. C'est cheaté à mort. Et donc en plus de tout ça, c'est un damage up. Donc ouais, c'est nimp. Hein. Là, je suis cheaté à mort. Et donc maintenant, je vole. C'est cool.
C'est peut-être un peu tard, mais remarque, dans le terreau, ça sert, donc c'est pas mal. Et le boss, c'est Loki. Évidemment qu'il y a Loki. Loki coule dans la montagne. Ça voulait rien dire. Alors, il y en a un qui est mort, déjà. C'est n'importe quoi. On va charger Maw of the Void. Merde. Bon, on va charger dans Loki. Ah, du Tears Up, oui. Ah, par contre, je me vois pas quand c'est chargé, donc... Enfin, je sens que ça charge beaucoup plus vite, déjà. C'est un bon point. Ah, génial. Putain, ce run, il est bien. Je suis content, parce que c'est le 23, en plus. C'est mon run à moi. Oh, la vache. Oh, putain. C'est con qu'il n'y ait pas un shop dans les environs, hein. Alors, vous me direz, il y en a un à Hush, mais... non, merci. Et ça, c'est des cœurs gris. Waouh. Mais c'est cheaté. Hop, vous savez quoi? On va aller se faire le mini-boss qui est là-bas. Ouais, en fait, ça va, la vitesse de tir, elle est revenue à un super bon niveau, donc... très bien. Et ça, c'est Gluttony. Bah écoute, meurs. D'accord. Ça, c'est fait. Ah, ça fait du bien d'être cheaté. Ah, merde. Bon, j'ai un peu foiré. Du coup, il y a le négatif qui est revenu en action. Ça s'est vu, de toute façon, là. C'est bon, ça. Allez, on va tenter un petit Maw of the Void sur tout le monde. Ah, merde. Parce qu'en fait, l'effet de Maw of the Void, en plus de faire des dégâts de malade, ça a des chances de dropper des cœurs noirs si tu butes un ennemi. Donc, c'est pas mal du tout, hein. Oh, putain. Double Lust. Ça devrait pas poser de problème. Il y en a une qui est morte. L'autre aussi. Ah, merde. C'était celle-là. C'était celle-là, la pilule Curse of the Maze. Fuck. Bon, c'est pas grave, hein, mais... bah, c'est pas grave, ça, si ça me ramène au début de l'étage, ça ferait chier, mais bon. Allez, sors de là. Voilà. Là, il y en a deux qui sont enchaînés au mur, donc lol. Et puis, le boss, c'est It Lives. Eh ben oui. Vu qu'on en est là, déjà. Je les vire, lui, donc pas de problème. Par contre, je me suis encore pris un dégât, ça va pas. Alors, par contre, avec Nightlight, ça va être un peu chaud, par contre, parce que ça fait des tirs ralentis et pas ralentis en même temps. C'est assez bizarre. Ah, merde, non, 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 non. Haha, tu meurs. Alors, j'ai accès à Hush. Je crois pas que ce soit une super idée. Ça non plus. C'est un item plutôt pas mal, mais honnêtement, il va mieux avec Lilith, celui-là, parce que... Ok, j'ai accès à Hush. Là, je le battrai jamais, de toute façon, donc... non, mais je pense qu'on va pas se faire chier avec Hush, hein, j'ai pas envie. C'est l'épisode 23, j'ai pas envie de... voilà. Je vais garder l'aspect détente de l'épisode. Alors, la cathédrale, il faut aller par là. Ok. Allons par là. Oh, bien ça. Oh, putain, la vache. Kurt Horn, méga damage. Bitches. Toi, meurs. D'accord. Ok. Loki. Mais comment vous allez? Parce que moi, ça va très très bien. Genre, ça peut pas aller mieux, quoi. Ha ha. Mourez tous. Bande de trous du cul. Wow. Grande salle. Qui contient Death. Avec des copains. Voilà. Ah merde. Il reste le poney quelque part. Il est là. Il est mort. Très bien. Oh putain, merde. Je croyais qu'on avait fait cette salle. Je sais pas pourquoi. Non mais là, de toute façon, Monstre 2... t'es plus un danger du tout, là. Je dirais même que t'es une merde, en fait. Mais bon. Faut pas lui dire, c'est méchant. Allez hop, Isaac. Ça, comme ça c'est fait, hein, on en parle plus après. Alors là, il n'est pas dans la lumière, par contre, les tirs le son. Ah ouais, c'est vrai que ça va être chiant. Ah merde. Ça, c'est pas terrible. Faudrait que j'évite de bouger comme une merde. Parce que ça serait con de crever maintenant, quand même. Ah oui, mais merde, attends, je viens de réaliser, je suis allé à la cathédrale, merde. J'ai pas le Polaroid, fuck. Oh, j'ai fait de la merde.
Oh bah du coup on va se faire chier alors. Hein. Rune de résistance. Ah ouais j'ai merdé putain. Ah ouais vous êtes certainement en train de gueuler depuis tout à l'heure. Ah bah merde alors. Bon bah c'est la fin du run du coup. Oh j'ai foiré. Oh j'ai fait de la merde. Bon du coup c'est pas grave, vous avez une petite cinématique différente à la place. La fameuse cinématique de Isaac qui dit qu'il ferait bien de plonger dans ce coffre, qui donne envie, bien juteux et tout. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est la fin de cet épisode. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerais où j'en suis avec Keeper, voilà. J'ai donc débloqué avec lui le Wooden Nickel, hein, désolé du spoil, mais voilà, ça se passe comme ça. Ça fait qu'il commence avec ça maintenant. Et il a encore un autre truc qui commence avec, je me suis un peu spoilé la gueule, mais bon, mais hein. Et donc voilà, j'ai fini le chest avec Keeper. Donc j'ai aussi battu Isaac, et je l'ai fait en hard d'ailleurs, ça débloque rien de spécial avec Mob. Du coup c'est ce que je croyais mais en fait non, donc faudra que je fasse la Dark Room avec. Et ça va être chaud. En tout cas, bon, c'est donc la fin de cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain, et dans le prochain on fera le daily en fait. On fera un daily run, et on s'en verra, voilà. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, j'en sais rien en fait. Donc, eh ben moi je vous dis donc salut à tous, portez-vous bien et joyeux Noël, bitches !